found a love for me. Oh, darling, just dive right in and follow my lead. Et re, du coup, Jérém et re Blanchet. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable dimanche depuis ce matin. Je suis moins visible parce que je suis en noir et qu'il fait noir dans la pièce.
Si vous voulez que la caméra soit un peu plus grande, dites-le moi. J'ai changé de fond. J'ai changé de décor. J'avais envie de changement un petit peu. Je trouvais ça cool. Je trouvais celle-là sympatoche. Et en plus de ça, du coup, moi, dans les oreilles, j'ai de la pluie et de l'orage. Du coup, ça va mettre dans l'ambiance pour la lecture. Et re-soleil. Parfait, parfait. En plus, du coup, j'ai testé le jeu de boxe que Pandatsuki, elle fait. Et ça m'a fait du bien. Ça fait une petite reprise sportive. J'ai fait un petit quart d'heure de sport. J'ai dépensé presque une quarantaine de calories. Merci Patchy pour le raid. Coucou les raiders, comment allez-vous? Merci beaucoup. Comment s'est passé ton stream sur Horizon? Merci pour le FL Blanchet, merci beaucoup. Et re-Ohio. Oh, double FL, si c'est pas beau ça. Si c'est pas beau. Merci beaucoup. Comment allez-vous les Raiders? Est-ce que vous êtes prêts pour la lecture? Wouhou, I'm famous. Grave. Grave, grave. Oui, ça a été tranquille. Parfait, parfait. J'avais mon petit leurre que je suis venue te voir de temps en temps. Et j'avoue, cet après-midi, j'étais clacos. J'ai fait mon sport. Et puis là, je vais faire ma petite heure de lecture. Ensuite, la petite promenade du toutou, le manger, la douche. Et parfait, quoi. Et salut, Kuma. Rebonjour. Mais de rien, c'est normal, de rien. Ça fait du bien de chill. Ouais, c'est clair. Surtout que. Enfin, ça va, maintenant, j'ai mes week-ends, mais. Oh, je sais pas comment ils vont me faire travailler. Si ça se trouve, je vais chiller très souvent. Coucou, Misaki, comment ça va? Ça va bien, moi, merci. Coucou Natsuno, comment vas-tu? J'espère que vous êtes prêts pour la lecture de ce soir. On a presque fini le livre. Je ne sais pas si on arrivera à le terminer ce soir. Vous voyez à peu près ce qui reste. Vous voyez pas du tout. Vous voyez pas du tout. Voilà. Vous voyez maintenant. Il reste vraiment pas grand-chose. Ça va et toi, jeune demoiselle? Ça va bien, merci. Ça va bien. Et Jérém, ton stream s'est bien passé aussi? Que des streamers ici, c'est incroyable. Je viens de rentrer, j'ai loupé le stream de Slam. Oh non! Du coup, t'as loupé le stream d'un jeu hyper tendancieux. Et après, il est parti sur Alien Isolation. Je vais dire que si j'ai des choses à faire, mais j'aime bien t'entendre lire. Merci beaucoup, Patchy. Merci pour ton raid. Merci pour ton lurk. Et puis plein de bisous. Et fais bien tes choses. Mais oui, en plus, je voulais le voir. J'ai la rage. Bah, plus qu'à regarder la rediff. Super bien passé. Parfait. On adore quand ça se passe bien. Parfait, parfait. 19h05. Est-ce qu'on attend un petit peu que d'autres idées arrivent avant de lancer le stream? Super bien passé. 5 heures de live. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. D'ailleurs, je voulais vous parler que. Parce que j'ai pas encore fait ma publicité sur les réseaux. Mais je vais pouvoir le faire bientôt. Parce que je sais pas si je l'ai téléchargé. Je vais regarder vite fait. Non. Je vais vous dire ça tout de suite. Planning, planning. Oui, je l'ai, donc je peux vous le montrer. Je sais pas si c'est la version finale. Je vais vous montrer quand même. Du coup, comme ça, vous serez au courant. C'est une image. Je ne sais même plus. Oh, voilà. Je n'ai plus les yeux en face des trous. Parcourir. Tac, tac. Voilà. C'est pas la version finale, mais c'est pas grave. Donc du coup, là, samedi prochain, on fête les 1 an de la chaîne parce qu'on est déjà le 26 février, samedi prochain. Et donc, ça fait 1 an, ça fera 1 an jour pour jour que j'ai commencé à streamer. Oui, cette photo est magnifique, je suis fan. Alors, pour ceux qui ne reconnaissent pas ma face, j'étais maquillée et il y a un filtre dessus. Pour ceux qui voudraient tester le filtre, c'est avec Prequel App. Le filtre Cartoon Plus avec la dame qui a les cheveux bleus.
Parce que du coup, ils font pas tous la même chose. Donc du coup, voilà. Merci beaucoup, Mouchou, pour le raid. Coucou, recoucou les raiders. Comment s'est passé ces 15-20 dernières minutes? Comment se sont passées? On était en train de parler du stream de samedi prochain. Team Raid de rapport heureux. Merci pour le FL Soleil. Merci. N'hésitez pas à aller follow les amis. Followez-vous les uns les autres. N'hésitez pas à tous vous follow. Vous êtes tous adorables et vous méritez tous. Du coup, voilà, on parlait heureux d'Arilana. On parlait du stream de samedi prochain. Donc, dernier an de la chaîne. Donc voilà, du coup, en fait, pour fêter ces 1 an avec vous, je désirais faire un petit concours et donc pouvoir vous faire gagner 3 clés de jeu pour le moment. Nous ne savons pas lesquelles est-ce. Vous serez lesquelles seront. Quelles seront ces clés le jour même. 1 an déjà, oui, 1 an déjà, Sébastien, re. Re à tous. Et donc voilà, vous serez. Merci beaucoup, Jérém, pour tes 6 bits, merci. Donc voilà, du coup, il y aura 3 gagnants. Une clé chacun. Donc le premier qui sera tiré au sort choisira laquelle des 3 il voudra prendre. Le deuxième choisira laquelle des 2 restantes. Et le dernier, ben, gagnera la dernière clé. Voilà. Ensuite, ben, on va commencer cette journée à partir de 9h et on fera la batounale comme d'habitude. Comme quoi le Covid aura lancé une vague de streamers. Moi, je me suis lancée. Enfin, je me suis pas lancée pour le Covid en vrai. Ça fait des années que j'avais envie de streamer. Et le fait d'être arrivée, d'être retournée chez ma maman, j'avais plus de facilité à streamer. Plus le fait que je travaillais de matin aussi, c'était bien plus simple. Parce que j'avais toutes mes après-midi et certaines de mes soirées. Donc voilà. Mais c'est pas le Covid qui m'a lancée, mais je suis contente que le Covid ait lancé certains streamers. Ça m'a permis de rencontrer de très belles personnes. Voilà, j'ai commencé en décembre, c'est pas le Covid qui m'a lancée. Après, oui, ça a lancé pas mal de monde. Et au final, pas mal de monde arrive à faire quelque chose de plutôt correct. Mais voilà. Du coup, voilà le petit concours. Donc, on commence à 9h et on terminera à 19h. Je ne sais pas si je ferai ma pause repas avec vous ou quoi ou qu'est-ce, mais à la base c'était un pari avec mes amis, c'est vrai. Bah comme quoi, hein, des paris, parfois aussi ça peut faire quelque chose de correct. Mais voilà, en tout cas, petit 1 an de la chaîne samedi prochain. Donc on continue, on fait la batounale à 9h comme d'habitude avec 30 minutes d'avance. Et puis je ne sais pas jusqu'à quand on s'arrêtera. On essaiera de terminer le Batman 1 déjà. Et puis après on partira sur d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi. Si vous êtes assez nombreux dans la journée, on fera probablement des jeux multijoueurs avec vous. Et à voir après selon on va papoter, surtout à la fin pour faire le tirage au sort. Un côté positif du Covid, rencontrer des gens comme Enawel. Mon, trop mému là-dessus. Moi aussi, je suis contente de t'avoir rencontré. Du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous sommes sur un stream lecture que nous faisons tous les dimanches soirs à 19h. Et maintenant, un nouveau stream lecture va être ajouté à la chaîne le mercredi soir à 21h. J'espère que vous serez nombreux. Ce sera un stream lecture qui ne durera qu'une heure comme celui-ci. Mais on en a besoin de plus puisqu'on a de plus en plus de livres à lire avec la maison d'édition. Et j'aimerais ne pas trop les faire attendre. Donc du coup, voilà, on va faire 2 lectures à la suite et évidemment on poursuit les mêmes le même ouvrage qu'on commence pour ne pas trop être perdu. Comme d'habitude, vous retrouvez les vidéos sur les réseaux sociaux, donc sur la chaîne YouTube. D'ici peu, les VOD seront reprises pour retirer tout l'aspect réponse de chat. Non, pas de stream lecture ASMR, c'est impossible, je ne sais pas chuchoter, ça me fait hyper mal à la gorge. Je ne sais pas parler, je parle pas très fort de base IRL. Mais voilà. Quoi d'autre?
Du coup, oui, les VOD seront retransformés, seront retouchés, donc ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus pro. Et du coup, mes vidéos se retrouveront sur les réseaux sociaux de la maison d'édition à Maltais. Voilà. Donc le résumé, alors c'est la quatrième page que vous avez ici en résumé sur le stream. Je ne fais plus de résumé après chaque lecture parce que c'est beaucoup de travail. Donc la guilde des marchands de pluie, tome 1 de Robin Buisson. Dans ce roman de type fantasy, nous incarnons Zef Cap, capitaine du Caraan, foudroyeur pour la guilde des marchands de pluie sur Aridia. Cette guilde chasse des nuages de pluie et de foudre afin de donner de l'eau et de l'électricité pour la planète. Mais Jethro III, empereur de l'Est, aurait visiblement construit des tours fabriquant des nuages. Guerre de territoire, de clients, de trahison, que va-t-il se passer dans ce continent aride? Ensuite, au fil des chapitres, il y avait eu des pertes du côté de la guilde des marchands de pluie, parce que l'Empire a décidé d'attaquer la guilde des marchands de pluie en faisant un pacte avec les pirates. Au final, les pirates ont été complètement décimés, mais de grosses pertes amicales du côté de Zef Cap. Du coup, une haine est entrée en lui, donc du coup, il s'est battu comme Jaja, hein. Et du coup, on lui a proposé un poste dans l'élite, j'ai envie de dire, de la guilde. Ils ont fait une mission pour éviter que certaines contrées se retrouvent sous les griffes de l'Empire. Cette mission s'est avouée un succès, mais ils ont été suivis par des bateaux très très rapides de l'Empire. Et cette course-poursuite les a menés dans le désert d'Aridia. Et dans ce désert, en fait, ils les ont fait nez à nez avec ces fameuses tours de l'Empire qu'ils ont créées. Sauf que ce sont des tours créées en cuivre et donc qui créent de la foudre, eh bien violette et pas bleue. Et donc c'est de la foudre qui n'est pas gérée par les vaisseaux de la guilde des marchands de pluie. Et malheureusement, ça fait des dégâts irrémédiables. Le bateau, le Caraan, a été complètement détruit. L'équipage a été décimé. Il n'y avait que trois survivants suite à l'accident. Dont le capitaine Zef Cap qui a eu un déchet de son bateau dans le bras. Et cette blessure s'est bien sûr infectée. Ils sont tombés ensuite sur un habitant du désert. Et dans ce village, ils ont pris soin de lui et ils lui ont amputé le bras. Donc voilà, on se retrouve avec un protagoniste principal avec un bras en moins. Donc encore plus de haine envers l'Empire, puisque plus de bateaux, équipage décimé, un bras en moins, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, voilà, on va poursuivre la lecture. Je ne sais pas si en 1 heure on arrivera à terminer le livre. On a quand même, je pense, une bonne 200 de pages. Moi, j'ai vu le mot Hobbit, c'est rigolo, à lire. Ouais, non, on a 100 de pages à lire. On verra bien comment on... Let's go, c'est parti. Journal personnel de Myrmament, ville de Méroth. Je ne parvenais pas à dormir. J'avais beau me retourner encore et encore, le sommeil ne venait pas. Je m'horripilais des raisons de ces insomnies. Moi, qui avais toujours souhaité être indépendante de cœur et d'esprit, voilà que les deux étaient emplis d'images de Wind. Dire que c'est lui... C'est de lui que je me préoccupais alors que nous étions au beau milieu d'une guerre sans précédent dans l'histoire. N'y tenant plus, je me levais et enfilais la première robe qui me tomba sous la main. Je pris soin de dissimuler les deux dagues dans ma jarretière et sortis de ma chambre. Traversant le QG où étaient installés mes appartements, je pris le temps de saluer les gardes en faction à l'entrée et leur signifier que je n'avais pas besoin d'eux. Accélérant le pas, je m'enfonçais dans la nuit. Les bateaux qui partaient en mission le lendemain avaient été parqués dans l'arène de la ville et étaient étroitement surveillés par une garnison de soldats spécialement triés pour cette mission. Il me fallut près d'un quart d'heure pour traverser les faubourgs menant à l'arène. La ville, malgré l'heure tardive, n'était qu'à demi assoupie. Partout dans les rues, des gens s'activaient, réparaient, vendaient, bâtissaient. Des odeurs de mortier se mêlaient à celles du métal frappant la roche.
les égouts avaient dû être bouchés par les éboulis, si bien que, par endroits, ils débordaient et suintaient d'excréments et de pourriture. Les gens étaient affalés sur le sol, morts ou vivants, je ne savais le dire. Le petit peuple vivait dans des conditions affreuses. J'étais d'autant plus heureuse de ma condition. Malgré mon accoutrement que je jugeais sommaire, un nombre relativement important de regards se tournait vers moi. Même si c'était ceux du petit peuple, c'était toujours un plaisir d'être regardé. Alors que j'approchais de l'enceinte du stade, deux hommes sortirent d'une ruelle et me barrèrent la route. « Où c'est que tu vas comme ça, ma cocotte ?»« Haleine fétide et dents pourries. Viens donc faire joujou avec nous ?» Même constat pour le second. L'un d'eux esquissa un geste pour me saisir le bras. Vive comme une chatte, je dégainai une de mes dagues que j'avais dissimulée et tranchai les doigts de mon agresseur. Hurlant de douleur, il recula en tentant d'arrêter l'hémorragie. Le second se jeta sur moi, un hachoir de boucher à la main. Ayant prévu l'attaque, je tendis ma main droite vers lui et prononçai une incantation. Avant qu'il ait pu abattre son arme sur moi, une boule d'énergie concentrée se forma au creux de ma main et s'élança vers l'homme. Elle le frappa de plein fouet. Il fut projeté en arrière dans une gigantesque gerbe d'électricité et s'écrasa contre un mur. Mort, l'estomac brûlé par la chaleur des éclairs. L'autre me regarda incrédule. « Bordel, mais t'es qui, toi ? Quelqu'un que vous auriez mieux fait de ne pas croiser. Dégage de là avant de terminer comme ton acolyte. » Il détala comme un petit lapin. Je pris le temps de dépoussiérer ma robe, ranger ma dague et repris ma route. Alerté par le bruit, deux gardes avaient été détachés de la surveillance du stade pour découvrir ce qu'il se passait. « Est-ce que tout va bien, madame ?» me dit l'un d'eux. « Oui, merci. Menez-moi au capitaine Wine, je vous prie. » « Madame, l'accès au stade est formellement interdit. Seules les personnes possédant une autorisation spéciale peuvent y pénétrer. » Soulevant un pan de mon gilet, je dévoilais l'insigne du conseillère de la guilde et le tapotais du bout de l'index. Aussitôt, l'expression des gardes changea. C'était toujours un plaisir de faire valoir sa position dominante à la gente masculine. Par ici, madame. Veuillez nous excuser. Le groupe de soldats se mit au garde à vous dès que leur capitaine fut informé de ma présence. Il me mena lui-même à travers le dédale de couloirs du bâtiment. Débouchant sur l'arène, le couloir principal arrivait au pied de la loge VIP. L'arène était gigantesque. Des murs en grès blanc d'environ 5 mètres de haut marquaient la limite des gradins. Aux quatre points cardinaux se dressaient les portes principales, sculptées dans un bois d'ébène recommandé spécialement aux îles des Bois. Les gradins étaient faits de bois et vissés aux colonnes de pierre qui elles-mêmes maintenaient un réseau de poutres. Au-dessus des gradins, de vastes pans de tissu étaient arrimés à de longs piliers de bois et offraient, en journée, une ombre bienvenue. Au milieu, sur le sable blanc de l'arène, se dressaient les 11 navires de la guilde détachés spécialement à la mission d'assassinat, parfaitement ordonnés en deux lignes. Seul le Wine Driver de Wind était placé à 90 degrés des autres, au centre des deux lignes. Chaque navire avait été soigneusement préparé. Des arceaux de bois avaient été ajoutés aux coques afin d'en forcer l'armature. Les planches avaient été fixées sur les flancs afin d'offrir une meilleure protection aux archers et aux mages. Toute l'atmosphère de l'arène empestait la magie et on pouvait deviner que l'ensemble des navires avait subi une série d'enchantements massifs. Tout cela visant à alléger leur masse, accroître leur vitesse et leur résistance. Je congédiais le capitaine et me mis en route pour le Rhine Driver. Malgré les éléments qui lui avaient été ajoutés, il conservait sa superbe ligne, ses mâts ouvragés et sa proue ornée d'éclairs. C'est là que j'aperçus Wind, la mine grave comme je l'avais encore jamais vue. Il était assis sur une petite chaise de bois, à la proue de son vaisseau, qu'il chérissait tant. Tout absorbé qu'il était par ses pensées, il ne m'entendit pas monter à bord. Arrivé à sa hauteur, je lui posai une main sur l'épaule, ce qui le fit sursauter. Il tourna vers moi, un visage surpris, et me gratifia d'un sourire comme je les aimais tant. Mais malgré ce masque souriant, je sentais dans ses yeux qu'il n'était pas aussi calme qu'il voulait le faire croire. « Comment vas-tu, Wind ? Et toi ? Je parie que tes draps devaient s'ennuyer de moi. » Il s'était levé et arborait cet air de jument foutiste qu'il prenait avec tout le monde. « Crétin, d'une, tu ne réponds pas à ma question. De deux, ce ne sont pas mes draps qui s'ennuyaient de toi. » Mais qu'est-ce qu'il me prenait, moi qui avais toujours pris soin de ne pas m'attacher ? Voilà que j'ai déclaré ma flamme. Ceci étant, ma phrase eut l'air de faire mouche, puisque l'expression de son visage changea. Je passai ma main dans ses cheveux grisonnants et repris. Je te le redemande, Wind. Comment vas-tu ? Il dégagea ma main avec douceur, se leva, puis tournant sur ses talons, il me présenta son dos et s'avança jusqu'au bord de la proue. Je ne vais pas bien.
Je feins l'indifférence, je fais comme si je prenais tout ça à la légère, que rien ne pouvait m'atteindre. Mais en réalité, je suis mort de trouille. Cette mission sera sans doute ma dernière. Arrête, ne dis pas ça. Et pourquoi ? Il tourna vers moi un visage entre colère et larmes. Je le savais, en acceptant. Ce n'est pas une mission impossible, c'est une mission suicide. Mais si nous réussissons, toute la chaîne de commandement de l'Empire en sera ébranlée. Si ça peut sauver la guilde, toi y compris. Alors je suis prêt à faire ce sacrifice. Il s'accouda au bastingage. Il se croit tout permis, ces impériaux. On va leur montrer de quel bois on se chauffe. Je retrouvais mon Wind, au moins sa façade habituelle. Tu n'as pas besoin d'être fort quand tu es avec moi, Wind. Je vais imposer ma tête contre son épaule. Nous avons tous peur, et toi aussi tu en as le droit. Cela signifie que tu tiens à la vie, que tu tiens à ce monde, et j'espère aussi à quelqu'un. Maudite sotte, tu ne pouvais pas fermer ta grande gueule. Mais aussitôt, Wine me saisit la main et doucement vint caler le creux de mes reins contre le parpaing. C'est le cas, Myrma. Il m'enlaça et m'embrassa comme on ne m'avait jamais embrassé. Une sensation unique et savoureuse, mélangeant plaisir et amour. Finalement, j'avais bien fait l'ouvrir. Nous allâmes nous blottir dans sa loge de capitaine, l'un contre l'autre, en ne faisant rien d'autre que profiter de ces instants. Puis nous nous laissâmes sombrer dans une explosion de plaisir sexuel. Le sommeil nous gagna ensuite, et je ne sais plus exactement quand, nous nous endormîmes. Je fus tirée du sommeil par les cliquetis du métal contre l'autre. La vue encore brouillée par le sommeil, je parfins distinguer Wine, qui rangeait son sabre au fourreau. « C'est l'heure ?»« C'est l'heure, » me répondit-il. « Rocoucou, petite patate !» Journal personnel d'Amaury II, roi d'Altaïr. Mes soldats frappèrent, telle la foudre de la guilde que la guilde affectionne tant. J'avais fait placer mes troupes au sol dès lors qu'Edenil m'avait indiqué le parcours qu'il comptait emprunter. Ma flotte s'était camouflée au milieu des dunes en attendant leur passage, et quand ils nous survolèrent, il nous avait suffi de les prendre à revers. Au vu de mes armoiries, les navires ne s'étaient pas affolés, persuadés qu'ils avaient affaire à un allié. C'est alors que j'avais déclenché mon attaque, ma flotte fondit sur leur arrière-garde, tandis que mes troupes au sol frappaient l'avant-garde à coups de balistes et sorts minutieusement préparés. La rapidité de l'assaut fut telle que leurs troupes furent prises en tenaille et pratiquement décimées avant même d'avoir pu réagir. Malgré la résistance qu'opposèrent les petits groupes, ils furent rapidement maîtrisés et mis au tapis. Les projectiles et les sorts s'abattirent sur eux sans aucune pitié. À la fin de la bataille, si on peut dire qu'il y a eu une bataille, les quelques survivants furent faits prisonniers. Seul Edenil continuait à se battre. J'aurais pu le faire abattre, mais j'avais encore besoin de lui. Son navire fut abordé par trois des miens, J'observais la scène à une centaine de mètres sur mon propre vaisseau. Son équipage et lui-même se battaient comme des forcenés, malgré la supériorité numérique de mes hommes. Les pertes de mon côté commençaient à se faire sentir, et je fus fatiguée de tout ça. J'ordonnai à mon capitaine de placer mon vaisseau en position de tir, puis fit décocher par mes archers une volée de flèches. La série de traits partis par nos arcs et les hommes d'Edenil s'effondraient un à un. Coup de rage, il taillada mes hommes en tous sens, mais se vit bientôt encerclé. Il lâcha son arme et fit mine de se rendre, mais alors que deux de mes hommes s'apprêtaient à lui poser les fers, il joignit les mains et beugla une formule. Une boule de lumière se forma autour de lui et explosa dans un fracas étourdissant. L'explosion entraîna avec elle les barils de foudre stockés dans les cales du navire, démultipliant sa puissance. Les navires trop proches furent happés dans l'explosion et il s'en fallut de peu que je subisse le même sort. Quand l'explosion se résorba, il ne subsistait plus rien, si ce n'est que des débris de corps qui retombaient sur le sable du désert. J'aurais dû me douter qu'Edenil n'était pas du genre à se rendre, mais son ambition démesurée m'interdisit également de croire à un suicide. Capitaine ? Oui, votre majesté. Faites descendre le navire. Notre cher Edenil doit certainement se trouver quelque part en bas. Bien, monsieur. La descente fut rapide et mes hommes se mirent à chercher parmi les décombres calcinés et les cadavres, en quête du chef de la guilde des marchands de pluie. Soudain, l'un d'eux héla un de ses supérieurs, qui fit de même jusqu'à ce que le capitaine de mon navire m'invite à approcher. Entre deux dunes, un vaste trou était creusé, semblable à une chute de météorite. Au milieu, une sorte de cocon de soie à forme humaine gisait.
Sortez notre papillon de son cocon, capitaine, j'ai à lui parler. Journal personnel de Garde Le Bleu. Nous étions une escouade de 11 bateaux, placée au centre d'une formation en losange. Notre navire, le Rhine Driver, voguait au gré des vents, escorté comme un vaisseau princier. À mesure que nous approchions des zones de conflit, les mages se mirent à pied d'œuvre afin de camoufler notre présence. J'avais eu le loisir de découvrir les membres d'équipage de Wind ainsi que les autres archers qui allaient participer à l'opération. Parmi eux, deux hommes restaient des énigmes, encapuchonnés et portant de grandes tuniques de cuir bouilli. On les disait des assassins renommés. Ils étaient membres de la guilde des informateurs, engagés par l'Alliance à leur comptoir du royaume de Dinaria. Ils ne s'étaient pas quittés depuis notre départ et ne parlaient qu'entre eux, ou exceptionnellement à Wind. Leurs arcs étaient remarquables. Leurs poignées semblaient avoir été réalisées sur mesure et étaient couvertes d'une pellicule de lin vert, améliorant leur prise. De bien plus belles armes que celles que m'avait confiées Wind lors de notre départ. Il n'est peut-être pas aussi beau que les leurs, mais ils tirent juste, m'avait-il dit alors que je lorgnais sur ceux que j'avais surnommés Tic et Tac, faute de connaître leur nom. Je m'étais en revanche lié d'amitié avec Oswald et Guilin, deux matelots de Wind à la carrure imposante, qui, malgré leur air farouche, étaient en réalité de bons gros nounours. Quelques blagues sur Tic et Tac m'avaient fait également découvrir Yann, un des mages du navire, dans les 50 ans, bedonnant, la barbe hirsute, le crâne dégarni et des mains qui semblaient avoir invoqué toute leur vie. Il ne s'était d'ailleurs pas privé de me raconter ses histoires de chasse aux éclairs, des captures de nuages et de batailles contre les pirates. Notamment celle de la mer fantôme, dont il disait avoir fait partie, comme Wine, sous les ordres d'un certain Zef Cap qui avait dirigé un assaut décisif. Il avait été porté disparu récemment et Wind avait refusé de m'en parler. Zef était un ami de Wind, d'après ce que m'avait dit Yann. Yann n'arrêtait pas de parler lorsque Wind avait besoin de lui. Sinon, son flot de paroles était tout bonnement incessant. Dès sa tâche terminée, il ne se faisait pas prier pour reprendre son histoire là où il l'avait laissée. Je passais mon temps avec mes trois compères, aidant aux tâches du navire, quand Wind ne me tenait pas à l'entraînement sur cibles en mouvement. Pendant le trajet, il avait fait voler des cibles de paille que ses mages déplaçaient par télékinésie. Tous les archers du navire devaient alors se mesurer les uns aux autres durant un concours de précision. Mes premiers tirs furent catastrophiques et provoquèrent l'hilarité des autres archers. Tic et Tac faisaient jeu égal et remportaient concours sur concours. Arwin, une archesse venant des rats, les talonnait de près. Suivait ensuite Hérald, un grand noir aux muscles proéminents, issu des tribus nomades du sud du continent. Simon, Ryan et Michael se battaient pour le bas du classement. Ils étaient tous trois de mérée. Au fil des concours, chacun d'eux s'améliorait, mais aucun ne connut une plus forte ascension que moi. Le soir qui suivit la première journée d'entraînement, Wine vint me trouver. J'étais assis dans un coin du navire à ruminer mes flèches ratées. Alors, Gart, tu ressasses tes exploits de la journée? N'en rajoutez pas, capitaine, c'est vous qui m'avez traîné là-dedans. Je me levais et je commençais à m'éloigner quand Wine s'empara de mon arc. Allons, fais pas la tête, je te taquine. Tu as quelques mauvaises manies qui pervertissent tes tirs. Mais ton œil et ta visée sont bons, je vais te montrer. Il s'empara du carquois et la Yann. Fais-moi voler une cible, Yann. J'ai du savoir à dispenser. Bien, capitaine, gueula Yann en jetant une cible dans le vide. L'en a bien besoin le petit. La cible s'éleva dans le ciel. Wine saisit une flèche et banda son arc. Visa, décocha. Le trait partit en un éclair et se ficha dans la cible à une dizaine de centimètres du centre. Hé, vise-moi ça, Gart. Pas mal pour un vieux loup de ciel, non? Magnifique. Vous voulez ma place lors de la bataille? Et te laisser les rênes de mon Wine Driver? Très peu pour moi. En revanche... Il saisit une autre flèche, l'encocha, banda son arc. Je peux te donner les clés pour devenir le meilleur archer de ce navire. Il lâcha la corde et dans un vrombissement, la flèche vint se planter dans le centre de la cible. Journal personnel de Zef Cap, quelque part dans les déserts vélusiens, village d'Éliphantins. Malgré les douleurs lancinantes que me procurait mon bras, les infusions d'Irwin m'avaient permis de m'endormir pendant plusieurs heures. La chaleur ambiante et la déshydratation finirent par me réveiller. En sueur, je me redressais tant bien que mal et saisis le pichet d'eau tiède
d'eau tiédie posée sur ma table de chevet. J'avala une grande gorgée d'eau et puis le reposai. Sans trop savoir pourquoi, je me levai et me mis à arpenter la pièce de long en large. Les sentiments les plus divers m'assaillaient. Celui qui prévalait était l'inquiétude de ne pas savoir ce qui se passait. J'étais dans un village de Lifantin en plein milieu des déserts vélusiens, sans moyen de connaître l'avancée de la guerre et surtout ce qui se passait pour la guilde. Que devenaient mes compagnons envoyés en première ligne? Que devenaient Quisto et Nagad? Où était Wind? Autant de questions qui demeuraient sans réponse. La tristesse m'étreignait à chaque fois que je pensais à mon navire, en morceaux, dans le désert. Ce joyau m'avait légué mon père à sa mort, avec qui j'avais fait mes premières chasses, écumé les nuages et le ciel. Mes hommes d'équipage, qui avaient perdu la vie pour défendre les couleurs de la guilde, mon moignon me narguait chaque fois que je posais les yeux dessus. La colère montait en moi quand je pensais à l'Empire, l'Empire responsable de tous les malheurs qui m'étaient récemment tombés dessus. L'Empereur et son appétit démesuré pour les conquêtes. Je me mis alors à marteler de coups de poing l'un des murs de la pyramide, fou de rage. Les teintures s'entrebâillèrent et Myriam fit son entrée d'un pas chaloupé. Elle était vêtue d'un pantalon boule et d'une chemise de lin marron, les cheveux attachés en une longue tresse. Elle darda sur moi un regard plein de compassion et de sourire apaisant. Vous faites bien de laisser libre cours à votre colère, cela apaise. Ce n'est pas sur des murs de sable que j'aimerais l'exprimer, mais le sabre au poing et sur des hommes de l'Empereur. D'où vient ta pointe? À qui c'est attendre? Mon père vous attend. Puis-je vous conduire? Et elle me tendit la main. Je vous suis, lui répondis-je en dégageant sa main. Pourquoi fallait-il que mon orgueil de mâle repousse un geste de gentillesse? Elle ne prit pas la peine de me répondre. Elle pivota et repassa les tentures, tandis que je la talonnais. Comme d'habitude, le soleil prit un malin plaisir à m'aveugler. À mesure que mes yeux s'habituaient, je m'aperçus que la place du village avait été désertée. Les quelques pas en dehors de la pyramide me firent rapidement comprendre pourquoi. La chaleur était étouffante. L'air ambiant vous comprimait la gorge et asséchait vos yeux en quelques instants. Le moindre centimètre de peau qui n'était pas couvert se retrouvait aussitôt rougi si on ne possédait pas la pigmentation adéquate. Alors que je titubais sous le poids de la chaleur, Myriam vint me passer le bras autour de la taille et m'aida à marcher. Nous nous dirigeâmes vers une pyramide, semblable en tout point aux autres, d'extérieur du moins. Elle s'avéra bien plus richement agencée que celle où j'étais hébergée. De part et d'autre de la pièce étaient disposées des étagères sur lesquelles s'amoncelaient des piles de livres et de parchemins. Les bougeoirs illuminaient la pièce, tandis que les encens qui brûlaient aux quatre coins répandaient un mélange d'odeurs dont il m'était impossible de déterminer la composition. Face à la grande étagère était disposé au bureau qui semblait fait de deux piliers de sable sur lesquels reposait une grande planche. Un chandelier était placé en son centre. Des plumes et de l'encre, accompagnées de parchemins et de feuilles volantes, étaient répandues un peu partout dessus. Tout cela se mêlait à un ensemble de livres ouverts, marqués par de nombreuses ratures. Au fond de la pièce, sur un gigantesque tapis, des dizaines de coussins étaient éparpillés pêle-mêle. Une petite armoire en bois, brute, occupait la gauche du tapis, gravée de multiples symboles. Assis en tailleur, au centre du tapis, se tenait un homme. Il était vêtu d'un pantalon boule blanc, portait des sandalettes de cuir. Son torse était nu et laissait apparaître une imposante musculature. Il était couvert de cicatrices et d'une pilosité poivre et sel. Sa chevelure était épaisse et noire comme l'ébène. Un unique collier en forme de sablier lui barrait le cou. Ses yeux, d'un noir aussi profond que celle d'Irwin, se posèrent sur moi. Il toucha la courte barbe qui ornait sa mâchoire et d'un geste m'invita à m'asseoir. Myriam m'aida à m'installer et prit place aux côtés de son père. « Je me nomme Asin Bedela, je suis le chef de ce village. Et toi, qui es-tu ?» Il le savait très bien. Mais tant que je ne connaissais pas le personnage, mieux valait jouer son jeu. « Zef Cap, membre de la guilde des marchands de pluie, merci à vous et à vos gens de nous avoir aidés, moi et mes compagnons. Nous n'avons pas pour habitude de laisser des gens mourir sur nos terres, quelle que soit leur appartenance politique ou religieuse. Heureusement pour moi. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque de garder nos œufs trop longtemps. Les va-et-vient de votre alliance et de l'Empire sont de plus en plus fréquents dans le désert. Il serait malvenu que nous soyons pris pour les partisans de l'un ou de l'autre des camps. C'est pourquoi nous avons congédié vos amis aussi vite que possible. Quant à vous, nous ne vous garderons que le temps nécessaire à votre rétablissement. Dès qu'Irwin vous considérera comme rétabli, vous devrez nous quitter. D'ici là,
Nous vous présenterons toit, vêtements et nourriture, à condition que vous vous soumettiez à nos us et coutumes. Il gardait un visage impassible et il m'était impossible de sonder son esprit. À chacune expression, aucune expression ne le trahissait. Pour mes amis et pour moi-même, encore une fois, je vous remercie. Mais j'ai besoin de retourner au plus vite chez les miens. Des événements graves sont en train de se produire partout. Les informations que je pourrais leur transmettre sont capitales. Obsolètes, pour la plupart en réalité. Me dit Myriane sans sourciller. Vos amis devraient bientôt atteindre un pays allié et pourront informer votre alliance de la progression de l'Empire au travers des déservélusions, ainsi que sur la capacité des tours à foudroyer vos navires, ajouta-t-elle. Le désert a parlé, reprit Asim. Les troupes de l'Empire progressent un peu partout. Elles traversent les déserts vélusiens en leur centre, en bâtissant des tours pour s'alimenter. D'ici quelques semaines, elles pourront frapper en plein cœur du royaume des rats. Au nord, votre alliance est tellement préoccupée par la défense de Gaslo. Elle ne se doute même pas qu'elle va être prise à revers. Au sud, mes hommes ont vu des centaines de réfugiés fuir les principales villes de l'est de Méré. L'Empire a contourné votre ligne de défense par les déserts et a envahi l'arrière-pays. De plus, le royaume d'Altaïr a rejoint le camp de l'Empire. Quoi ? Ce fils de Bip d'Amori s'est rangé du côté de l'Empire ? Il faut que je rejoigne mes frères au plus vite. Dis-je en me relevant d'un bond. Vous ne leur serez d'aucune utilité. À l'heure qu'il est, votre alliance doit déjà être au courant. Et pour ce qui est de la traversée des déserts vélusiens par l'Empire, vos compagnons ont été informés de leur départ. C'est à eux que revient la tâche d'informer votre alliance. Comment pouvez-vous rester là assis, si calme, l'Empire qui se répand partout sur le continent? Tôt ou tard, vos terres seront d'un intérêt pour eux. Le désert n'offre aucune richesse. Ils n'auront d'intérêt que pour les royaumes côtiers. Même avec leurs tours, ils ne tireront pas plus de ce sable que ce qu'ils ne donnent déjà. Autrement dit, rien. Mais vous rendez seulement compte qu'avec votre capacité à parler au désert et à maîtriser le sable, vous pourriez faire pencher la balance. Vous seriez un atout précieux pour l'Alliance. Et mener mes gens au-devant d'une guerre dont ils ne comprennent ni les raisons ni les aboutissants. Pour des notions telles que la richesse, la propriété, nous n'en avons cure. Asim s'était levé et dardait sur moi un regard de braise. Non, non, je n'enverrai pas mes gens à la mort. D'autres que vous ont déjà voulu profiter de nos dons et de nos pouvoirs. Cela s'est soldé par des massacres qui nous ont poussés à nous enfuir un peu plus profond dans le désert. Je faisais face, soutenant avec peine mon regard, son regard, mais le soutenant malgré tout. Je connais l'histoire des Lifantins et je sais aussi que sans le royaume des rats, vous ne seriez plus là. Que vous ne pensez pas que vous leur devez quelque chose? Vous ne pensez pas que vous leur devez quelque chose? Il me saisit violemment par le col et m'attira vers lui. Vos livres d'histoire oublient de mentionner que c'est à cause de ce même royaume que nous avons failli disparaître. Nos agresseurs venaient de ce pays. C'est une guerre de succession, alors ne soyez pas trop prompt en jugement. Il me reposa d'un coup sec vers l'arrière. Un coussin me fit trébucher et je m'étalai de tout mon long sur le sol. Mais dans ma chute, ma main tenta de s'agripper à quelque chose et je saisis le collier en forme de sablier qui s'arracha aussi sec du coup d'acide. Myriam s'approcha et m'aida à me relever. Elle voulut saisir le collier pour le redonner à son père, mais ouvrit de grands yeux ébahis lorsque je desserrai mes doigts. « Père, le sablier coule !» Asim laissa s'échapper un long soupir. Il ne manquait plus que ça. Je regardai le creux de ma main et vis effectivement le sablier couler. Et il coule, et alors ? Myriam se tourna vers moi. « Cela veut dire que vous avez des prédispositions à la magie des sables. » Elle sortit un collier similaire dessous son chemisier, et en le touchant, le sablier se mit à couler à son tour. « Magie ? Moi ? Vous plaisantez ? Je n'ai jamais été capable de faire souffler la plus petite brise ou lancer le plus petit éclair pendant toute ma vie au service de la guilde, et ce, malgré tous mes efforts. » Le sablier ne ment pas, Zefcap. Il semble finalement que votre âme appartienne plus à la terre qu'au ciel. Asim n'avait pas l'air enchanté de cette découverte. Myriam, raccompagne-le. Cela ne change rien. Aussitôt remis, vous nous quitterez. Laissez-moi maintenant. Myriam voulut répondre, mais son père la congédia et s'assit à son bureau. Quand nous sortîmes de la pyramide, le soleil avait perdu un peu de son intensité. Je vis un jeune garçon qui s'efforçait de façonner un petit golem de sable par la force de son esprit. Qu'est-ce que cela signifie ? Que je serais capable de faire ça ? Je devais avoir une expression de gosse quand qu'on venait d'offrir un nouveau jouet, car elle se fendit d'un grand sourire. Avec un peu de travail, plus, bien plus. Fin du chapitre.
compte rendu d'entretien entre Edenil Bourasken et Amaury II, souverain d'Altaïr. Edenil, sale fils de Bip, Amaury II. Eh bien, quel entrée en matière, mon ami. Il n'y a pas si longtemps, tu m'accueillais encore à bras ouverts. C'était avant ta traîtrise, salopard. Note du greffier. Le prisonnier était pieds et poings liés à la coque du navire. Le roi s'avança, lui cracha au visage. Tu oses parler de traîtrise, toi? Dois-je te rappeler que tu as laissé mourir des milliers de soldats et de civils de Méré en retardant mon intervention? Tu voulais avoir la gloire et les honneurs que provoquerait mon ralliement à l'Alliance. Mais tu as eu tort d'attendre si longtemps. Pensais-tu que l'Empire ne m'enverrait personne pour négocier mon ralliement? Je ne te croyais surtout pas suffisamment con pour accepter. Que crois-tu que Jétro III fera après avoir conquis Méré? Ce sera autour de ton royaume. Note du greffier. Le roi fut pris d'un fou rire et se répercuta dans la cellule. Il décocha une violente droite au prisonnier et il reprit en lui en serrant la mâchoire ensanglantée de sa main. « Parle-moi encore comme ça et tu le regretteras. » Et Denil, mon royaume sera intégré à l'Empire et j'y assurerai la gouvernance. De plus, je vais pouvoir me venger de Diane. Cette petite catin a toujours refusé mes propositions. Elle ne voyait qu'accords commerciaux et alliances militaires entre nos deux pays, alors que je lui parlais mariage. Te rends-tu compte de ce qu'aurait été notre puissance si nos deux royaumes avaient été ainsi scellés? Nos forces conjointes, nous aurions pu faire face à l'Empire et tenir toute la moitié sud du continent. Mais même après le début de la guerre, elle refusa. Elle avait déjà été mariée, par intérêt. Ce qu'elle voulait, c'était l'amour. Quand j'ai appris que c'était toi qui en avais ravivé la flamme, j'ai choisi de revoir nos plans, mon cher Edenil. Tu as massacré mes hommes, ma flotte et mis en péril l'Alliance pour une histoire de femme? Oh, mais attends que j'exhibe ton corps crucifié à la frontière. Tu verras ce qu'elle serait prête à faire par amour. Ton cadavre va me permettre de l'attirer. Elle et ses forces, au sud du pays, je vais les massacrer jusqu'au dernier. Certes, l'empereur préférait te garder pour négocier une trêve avec ta guilde, mais je n'ai jamais été très obéissant. Garde, emmenez-le sur la proue du navire et crucifiez-le. J'ai une reine à faire sortir de son trou. Journal personnel de Diane, reine des rats. J'eus l'impression qu'on m'arrachait le cœur, mon amour, ma flamme, ma vie capturée par Amaury. Cet homme intéressé uniquement par le pouvoir et la gloire. Cet homme qui venait d'entailler mon âme au plus profond. À cet instant, peu m'importait que les 400 navires de la guilde et mes hommes aient été décimés. Seul comptait ce qu'il adviendrait des Denil entre les mains de ce monstre. Malheureusement, diriger un royaume ne laissait guère de temps pour se morfondre. Ma reine, vous ne pouvez pas faire cela. Mon général en chef, Édouard Mérios, se tenait face au trône, un genou à terre. Si notre flotte maritime fait demi-tour pour entamer le blocus des ports d'Amaury, c'est la flotte de l'Empire qui nous prendra à revers. Je veux que ces fils de chiens payent pour sa trahison. Je veux voir ses ports en flammes et ses habitants transformés en torches vivantes. Ma reine, commença Mérios en se relevant, la flotte d'Amaury n'est pas en mesure de nous inquiéter. Il possède uniquement de quoi défendre ses ports et ses principales ressources navales. Ce sont des bateaux de marchands. En revanche, la flotte de l'Empire est d'un tout autre calibre. Si nous ne la défaisons pas, l'intégralité des mers du Sud leur appartiendra. Et ce sont nos ports qui se retrouveraient à leur merci. L'Empire pourrait alors débarquer ses troupes et envahir le pays sans rencontrer résistance. Mais si nous prenons les devants et que nous détruisions la flotte de l'Empire au sud de Méré, alors les mers du sud seront à nous et nous pourrons assiéger les ports d'Amaury sans craindre une contre-attaque. Laissez-nous, criai-je à tous les chevaliers, domestiques et politiciens qui occupaient la salle du trône. La salle se désemplit petit à petit. Lorsqu'elle fut totalement vide, je m'effondrai dans les bras d'Edouard. Il n'avait pas le droit, dis-je en sanglotant. Nous lui ferons payer, Diane, je vous le promets. Je vengerai nos hommes et je vengerai Edenil. Mais pour ça, nous devons prendre les bonnes décisions. Droit et loyal, de bons conseils comme à ton habitude, dis-je en me dégageant. Que suggères-tu? Envoyons notre flotte défaire celle de l'Empire et sécuriser les mers du Sud. Il va nous falloir également rapatrier nos troupes du Nord au plus vite. Méré ne tardera pas à tomber et les forces de deux royaumes et d'un empire vont se retrouver à notre frontière sud. Tu vas abandonner les forces de l'Alliance au Nord alors qu'elles sont sur le point de renverser la situation? Si elles sont prises à revers parce que votre royaume est envahi, la victoire au Nord n'aura aucune valeur.
pour être franc, même avec les troupes du nord, les remparts sud, aussi solides soient-ils, ne pourra sans doute pas contenir les forces qui vont s'avancer vers vous. Vers nous. Il posa une main sur mon épaule. La reddition pourra être une alternative. Je dégageai sa main d'un mouvement sec et vint me rasseoir sur mon trône. La reddition ? Jamais. Je suis la reine des rats, descendante des bourrasques du désert, et je ne ploie l'échine devant aucun homme si je ne l'ai pas choisi. Ma reine, je ne voulais pas. Suffit, Amaury. Ne sait. Amaury ne sait pas ce qui l'attend. S'il pense pouvoir traverser notre frontière sans encombre, il se trompe. Que suggérez-vous ? Tu le sais très bien. Fais préparer mon vaisseau personnel et bats le rappel dans tout le pays. Que tous les soldats soient prêts à partir pour le front sud dans 3 jours. Il est temps que j'utilise le coffret du golem. Ma reine, vous êtes sûre de ce que vous faites ? Certaine. Ne rapatrie les forces du Nord qu'une fois la bataille de Gaslo terminée. D'ici là, je vais m'occuper personnellement de retenir nos ennemis au sud. Laisse-moi maintenant et convoque Niglos. Edouard me regarda avec un petit air d'étonnement et faillit me répondre. Mais quand il sentit le poids de mon regard sur lui, il sut que c'était peine perdue. Il s'inclina et prit congé, me laissant seul avec mes pensées. Quelques minutes plus tard, un homme de petite taille, trapu, aux vêtements amples et brocardés de fil d'or, affublé d'une petite barbe en collier, pénétra dans la salle du trône. « Ma reine, me dit-il en se courbant, quel enchantement de vous voir, quel enchantement de vous voir. Au nom de la guilde des informateurs, je vous présente mes respects. » La guilde des informateurs était en réalité une guilde d'espions et d'assassins possédant des comptoirs un peu partout sur le continent. Ils avaient changé de nom voilà 2 siècles afin d'être mieux perçus par les populations et négocier leurs services auprès des gouvernements. Mes respects, Niglos, maître de la guilde des informateurs. La reine me demande, Niglos accourt. Puis-je savoir ce que me vaut cet honneur ? Honneur ? N'en faites pas trop. Niglos, vous êtes toléré sur mon sol mais n'abusez pas de ma patience. Loin de moi, l'idée de contrarier sa majesté. Le petit sourire narquois qui me décocha ne me plut guère. C'est cela, oui. La couronne a besoin de vous. La couronne ? Ou vous ? Ne jouez pas trop avec mes nerfs. Je suis la couronne. J'ai besoin de connaître le prix de 2 futures victimes. Énoncez, ma reine, énoncez les noms. Amaury II, le roi d'Altaïr, et Jethro III, empereur de l'Est. Oh, de bien belles cibles m'y coûtent cher, très cher. De plus, un problème subsiste, et lequel, je vous prie. La guilde a pour principe de ne pas accepter le contrat de la part de ses cibles. C'est donc une cible. Elle est devenue une cible. Tristesse. Tristesse pour elle. On fait un dernier chapitre ? Parce que je voudrais en garder pour la prochaine fois. 83. 11. Il nous restera une 60aine de pages. 1 ou 2, je ne sais pas. Salut Gévorada, comment vas-tu ? Journal personnel de Garde le Bout, port de Gaslo. Après 3 jours de voyage, nous parvîmes finalement à Gaslo. Le trajet nous avait donné la tragique occasion de contempler les affres de la guerre. Des familles entières prenant la route en direction des principales villes du pays afin de se réfugier. Des vieillards et des blessés incapables de supporter une marche forcée se voyaient abandonnés sur le bas-côté, desséchant au soleil et priant pour une mort rapide. J'avais supplié Wind de les aider, mais il me rétorqua que la plus sûre manière d'empêcher que d'autres familles subissent le même sort était de mener à bien notre mission. Gaslo possédait, d'après les dires, un des plus grands ports du continent. La ville avait connu une formidable expansion grâce à celui-ci. Il était principalement utilisé comme point d'attache pour tous les navires marchands qui voguaient vers les îles de blé et les îles de bois. La ville était construite au fil des siècles autour de la baie de Gaslo. Elle n'avait cessé de s'agrandir à mesure que la démographie du royaume de Lima augmentait. Beaucoup venaient y chercher un emploi et avaient le rêve de devenir un commerçant fortuné. La plupart finissaient dockers ou marins à mesure que l'affluence avait grandi. La ville s'était métamorphosée. La partie la plus ancienne était entourée par une vaste muraille de 8 mètres de haut pour 3 mètres d'épaisseur. On pouvait y trouver tous les 100 mètres une tour fortifiée, comportant des meurtrières, et à son sommet une grande baliste amovible. Vestige de l'époque où la ville était indépendante et avait besoin de se prémunir contre les ennemis extérieurs. Les murailles entouraient la vieille ville et formaient une
un croissant de lune qui s'étendait jusqu'aux deux bras de terre, qui se refermait sur la mer. L'ouverture de la baie était d'une centaine de mètres de large. On y distinguait les systèmes de défense de l'embouchure, celui qui avait permis à la ville de repousser les assauts répétés des corsaires et des pirates sur son port. Sur chaque bras de l'embouchure se dressaient deux tours de 10 mètres de diamètre et d'une quinzaine de mètres de hauteur. Les deux flottants étaient leur nom. Comme chaque tour de la ville, elles possédaient une baliste sur leur terrasse, montée sur une plateforme tournante, permettant aux gardes de viser à 360 degrés. Une constellation de meurtrières émaillait leur mur, permettant à une garnison de 50 hommes de faire feu de tout bois. Mais ce qui avait fait feu flottant, un moyen de défense si efficace, était ce qu'on appelait les triangles de flamme. Trois globes de métal d'environ 2 mètres de diamètre étaient fichés dans la paroi de chaque tour. Peu après, à mi-hauteur, ils étaient disposés en un triangle isocèle parfait. Les globes ressortaient à l'intérieur des murailles et étaient reliés par une machinerie complète, à mi-chemin entre mécanique et magie. C'était un alliage de rouages et de runes gravés comme il était rare d'en avoir. Au milieu des trois globes, un siège de métal permettait d'accéder à une série de commandes faisant se déplacer une simple tige de métal parsemée de runes. La tige permettait de viser les navires ennemis grâce à une ouverture creusée dans le mur de la tour. Il suffisait dès lors que trois mages alimentent une énergie pyromantique des globes. La machinerie pouvait alors tirer de puissantes boules de feu, aussi véloces que dévastatrices. L'architecte de ce système était mort plus de 2 siècles auparavant et avait emporté les plans de sa machine avec lui. Malgré 200 années de recherche, ingénieur, scientifique, et mage n'avait pas réussi à percer le système des triangles de flammes. Pour ma part, j'avais toujours considéré que c'était mieux ainsi. Nul doute que son inventeur n'aurait pas souhaité sa création convertie en arme à vocation offensive. Adossées aux murailles de la ville, les habitations s'étaient développées dans toutes les directions, plus on s'éloignait de la vieille ville, plus ces logements devenaient miteux et proches du bidonville. Le rattachement de la ville du royaume de Lima avait rendu obsolètes les murailles qui la protégeaient des assauts venant des terres, si bien qu'on avait laissé s'étendre l'agglomération au-delà des murs et de la raison. Caslo était, par son commerce et son flux constant de voyageurs, une ville très animée où l'on pouvait tout vendre où tout pouvait se vendre ou s'échanger. C'était le seul port de la côte nord sur près de 300 km. C'était le point d'entrée majeur des denrées et des matériaux venant des îles de blé et de bois. Sans lui, Lima était tributaire des autres royaumes pour son approvisionnement. On y trouvait poissons, bois, blé, armes, catins, produits manufacturés, etc. C'était une ville commerçante au sens strict du terme. Malgré son rattachement à Lima, elle conservait une forme d'indépendance. Disons que la couronne était moins exigeante en matière de loi tant que la ville payait des taxes conséquentes. Malheureusement, nous n'allions pas pouvoir profiter des plaisirs que Gasloan nous avait à offrir. Nous devions rester concentrés sur notre mission et notre seule compagnie pour cette soirée était celle des troupes amassées à l'extérieur de la ville. La flotte de l'Alliance était déjà en place pour sa part. Une partie mouillait dans le port tandis que l'autre effectuait des manœuvres près des côtes. Les navires volants avaient été parqués à l'ouest de la ville. Des troupes terrestres avaient creusé des tranchées et dressé des pieux afin de former en première ligne de défense à l'entrée des faubourgs. On avait installé catapultes et balistes sur les grands axes menant à la vieille ville pour soutenir le premier rideau défensif. Les bataillons entiers avaient été décimés dans les habitations de la ville basse dans les buts de mener une véritable guérilla aux troupes de l'Empire. Les habitants avaient été sommés de déguerpir ou de venir renforcer la garnison de la vieille ville. Dans tous les cas, seules deux possibilités s'offraient à eux, combattre ou partir au plus vite vers l'ouest, vers les autres villes du royaume. Beaucoup avaient choisi de rester et s'étaient réfugiés derrière les épaisses murailles de la ville, espérant qu'ils n'auraient pas à user d'armes rudimentaires qu'on leur avait confiées. Notre petite troupe s'était posée à l'écart des autres bataillons. Les grandes pontes militaires de l'Alliance ne voulaient pas prendre aucun risque. On ne savait pas jusqu'où l'Empire avait pu infiltrer les rangs et les différents pays de l'Alliance. C'était donc le général en chef des armées de Lima, Sidi Larsen, qui avait lui-même rejoint le pont du Rhine Driver pour mettre au point les derniers détails du plan. Sidi Larsen n'avait pas une réputation de tendre, mais
Il était profondément respecté par ses pairs et avait grandement contribué à ce que le front nord de l'Alliance tienne. Il avait été détaché par l'Alliance pour la protection de Galso, tandis que Léandre Mizanti avait été envoyé à Mérode. C'était un homme corpulent, habillé avec un uniforme bleu marine de Dinaria à boutons d'or. Il devait avoir une soixantaine d'années et arborait des roues flaquettes imposantes. Enfin, presque autant que la série de décorations qui était épinglée à son costume, des rides profondes lui creusaient le front et sa bouche légèrement déformée par une vilaine cicatrice lui donnait un air dur. Un coup de sabre pirate, m'avait-on raconté. Avant même qu'il ait posé le pied sur le pont, toute sa garde personnelle nous avait désarmés et nous tenait en respect. Il traversa le pont et s'engouffra dans l'escalier qui menait au quartier de Wynne, sans même nous adresser un regard. Pfff, même pas il nous dirait un mot sur cette tête d'œuf, dit Yann en crachant par terre. Préparer une bataille comme celle que nous avons à vivre ne doit pas être chose aisée, répondis-je avec calme. Ouais. Il s'essuyait la bouche d'un revers de la main et jeta un regard noir vers l'escalier. Sauf que lui commanderait bien planqué pendant que nous autres troufions sera en train de se battre sur le front. Ça n'avait pas bientôt fini de maugérer tous les deux. Guylain nous décocha une table dans le dos. Venez donc vous en jeter un. Moi et mes compagnons, nous mîmes à jouer un jeu d'alcool, juste sous le nez des gardes du général, qui mouraient d'envie de se joindre à nous. Yann, qui avait la descente facile et l'alcool taquin, commençait à me titiller sur mes derniers résultats à l'arc. Mais même si je n'étais pas encore le meilleur, j'arrivais à présent troisième de la plupart de nos concours, juste derrière Tic et Tac. Wynne avait pris son temps, mais les techniques d'archerie qu'il m'avait enseignées étaient pigrement efficaces. Il avait notamment insisté sur le fait d'anticiper les mouvements de la cible et m'avait appris à évacuer mon stress pour ne faire qu'un avec ma flèche. Des préceptes qui pouvaient paraître stupides, mais qui, à terme, avaient trouvé leur efficacité. Je n'avais pas cessé de m'entraîner, et les douleurs qui me parcouraient les doigts et les bras me faisaient grimacer à chaque levée de coude. Mais mes tirs étaient de plus en plus précis. La soirée avança, et avec elle, notre état d'ébriété. Quand enfin le général sortit des quartiers de Wynne, tous les hommes du bateau chantaient à s'en perdre les cordes vocales. Il ne nous accorda pas plus d'attention qu'à l'aller et quitta le navire avec ses hommes. Wynne apparut sur le pont et réclama un verre. Messieurs, vous semblez trop éméchés pour enregistrer les subtilités du plan que nous avons mis au point. Alors buvons. Buvons à nous et à la journée de demain. Car demain, nous allons changer le cours de cette guerre. Je bois à vous tous. Je bois à la liberté. Il vida son verre d'une traite et le fracassa au sol. Demain, nous allons renvoyer ces foutus impériaux en enfer. Voilà, voilà. Du coup, on n'a pas lu énormément quand même, en fait. On a lu tout ça. Ouais, ça va être short la prochaine fois. La lecture risque d'être très très longue. On verra bien. On verra bien. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. On a fait notre petite heure de lecture. La reprise du sport fut fatigante. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été présent sur ce stream ce soir. C'est très gentil. Merci infiniment. Je vois qu'il y a quelques fidèles qui reviennent à chaque fois. Sachez que pour les fidèles qui n'ont pas entendu jusqu'à maintenant, il y a un nouveau stream lecture qui s'ajoute sur la chaîne qui se fera le mercredi soir à 21h. Voilà, ce sera un stream lecture d'une heure, pas plus. Grand max une heure et demie. Mais guère plus, comme d'habitude, des petites lectures pour que ce soit digeste sur YouTube, même si une fois coupé, ce sera bien plus court, mais c'est pas plus mal. Merci Gévorador de venir sur les streams lectures, c'est très gentil, et je suis contente de lire que tu vas bien. Merci Jérém pour tes 6 bits, merci Mouchou pour ton raid encore, merci Pachi pour ton raid aussi, merci beaucoup. Et on va voir qui on va raid. Fuck. Alors du coup, Jérém, il a quitté. Il y a Petite Patate qui fait des Lego vilains. Ça, c'est de l'italien. Je vais peut-être pas vous amener. Il y a le Toon sur 1. Il y a Darshagar qui joue. Ah, Remnant from the Ashes. Mais ça fait un petit moment qu'il y est. Bon, les gamers, du coup, ils ont terminé. Il y a Jojo sur Blasphemous.
Il y a Florian et Alice qui discutent. Anarchy sur Horizon Zero Dawn, du Sea of Thieves. Et Itel sur Day by Daylight. Il y a du jeu de rôle. Qu'est-ce qui va être cool? Stream VR, la masterclass R4 en VR. Ça, ça va pas être très 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 chill. Jojo, il doit être en train de rager comme Jaja sur Blasphemous. Qu'est-ce qu'ils nous font? Florent et Alice. Putain, Jimmy, regardons Pingu. Oh, bon, on va aller chez Florent et Alice. On va aller chez Florent et Alice. On va regarder Pingu. Ça vous tente? Ils viennent juste de lancer en plus. Allez, go. Ça va être tout chill comme ça. Allez, on va faire un coucou à Florent et Alice qu'on a vu ce matin. Enfin, début d'après-midi chez les gameriens. Du coup, hop, je retire le son de la cheminée. Je vous fais plein de bisous. Passez une très bonne soirée. Passez un bon début de semaine. Je ne sais pas si je stream demain sur les Sims. Ce sera la surprise parce que ça fait un moment qu'on n'a pas pu avancer sur la vie de Orange Juice. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.